À la une de cette édition en Iran, l'armée a finalement avoué avoir abattu l'avion ukrainien tuant les 176 personnes à son bord, après avoir initialement nié toute responsabilité. Dans une déclaration publiée par l'agence de presse officielle IRNA, les forces armées ont expliqué que l'incendie était dû à une erreur humaine. Le président Hassan Rouhani a déploré une grande tragédie et une erreur impardonnable. L'avion a été battu tôt dans la journée de mercredi, quelques heures après que l'Iran ait bombardé deux bases militaires accueillant les troupes américaines en Irak. L'attaque répondait à l'assassinat du commandant des forces d'Iran, Qassem Soleimani.